Et les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog tissantra.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe Solus de Wolfenstein 2 The New Colossus sur PC. Je le rappelle, un jeu qui m'a été offert par Cerber. Encore une fois, un immense merci à toi. Nous sommes actuellement dans le Marteau des Vents. On continue l'émission d'Uber Commandant qui se trouve à Manhattan pour l'instant, hein, pour faire simple. Comme on peut le voir au fur et à mesure, la carte est en train William, de... J'aurais aimé qu'on passe plus de temps ensemble, mais on est si proche de la Nouvelle-Orléans. J'espère qu'il est pas trop tard. Toi, tu sors, s'il te plaît, j'en peux plus. Faites la terre. Vous imaginez pas combien de fois j'ai entendu cette phrase. Comme vous pouvez le voir, en fait, la carte se libère petit à petit de l'oppresseur américain. Nazi. La carte de l'Amérique se libère. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire le quartier des ruines ou le quartier portuaire? Allez, le quartier des ruines. C'est parti pour un tour. Toujours la même cinématique, n'est-ce pas? C'est parti. Alors pour cette mission, on va être amené à esquiver une grande partie du monde. L'Uber-commandant Raymond Hoffman est dans le métro situé sous la 5ème avenue. Il a pour mission de déployer un nouveau robot Citadel. Fais gaffe. Grace, terminé. Hast du einen Todesspruch? Du meinst etwas, das ich sage, bevor ich jemanden töte? Ja, genau. Du willst jemanden umlegen und bevor du den Abzug drückst, sagst du was ganz lässiges. Tja, Gottfried. Normalerweise klopfe ich ihm auf die Schulter und sage, hoffentlich schmecken dir Kugeln, Freundchen. Bam! Und wenn dann immer noch lebt, sage ich, ist nur was für Kenner. Und nochmal, bam! Das ist gut. Und was sagst du? Verrate ich dir nicht, ist längst nicht so gut wie deiner. Jetzt bin ich aber neugierig. Ist scheiße. Komm schon. Ich hab dir meinen erzählt, jetzt sag mir deinen. Okay. Aber lach nicht darüber. Ich weiß, dass er schlecht ist, okay? Gut, spuck's endlich aus. Ich sage, leb wohl, Blödmann. Bam! Tja. Ja, daran könntest du echt noch arbeiten. Ich weiß. Ich überleg mir was Besseres. Das solltest du. Dialog terminé. Je m'en vais. Je laisse tranquille parce qu'en général, comme ils restent plus ou moins l'un à côté de l'autre, cela me pose problème d'en tuer un parce que souvent le deuxième... me repère en fait, tout simplement. Donc au moins là je m'en vais, je laisse tranquille, je vais esquiver une grande partie du monde qui est dans cette carte. Tout simplement parce que ça me permettra d'être un peu plus tranquille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la première zone. Donc autant essayer de passer directement à la suivante. Voilà, ils sont de l'autre côté là-bas. Normalement il n'y a personne par ici. On va juste faire très attention à là où sont placés les drones. Voilà, on fait gaffe. Ok, lui il est en train de repartir. Ok, je vais essayer de rester par là. En faisant gaffe. Et si ça ne tombe pas trop mauvais moment, je devrais pouvoir laisser passer celui-ci ici, qui va remonter par là-bas et je pourrais passer sur la gauche. Voilà. Comme ceci. Il y a un commandant là-bas, mais on va le laisser tranquille, on va pas aller le tuer celui-là. Par contre, faire très attention à là où se trouve le mec. S'il y en a un par là-bas, là. Je crois qu'il est en train de revenir. Enfin, il y en a un par là-bas, il y a une, un super soldat, ou je ne sais plus très bien comment on les appelle, qui se promène.
et je préfère être sûr qu'ils sont en train de partir en fait plutôt que de me viser. Bon après bien sûr là je vais utiliser les techniques qui correspondent. À ma capacité dernier constructeur. Bah alors il est où? C'est lui là-bas. Punaise, mais il est vachement loin. D'habitude il est beaucoup plus proche que ça. Bon, ben, tant pis. Alors, vous avez notre entrée là-bas, hein, mais je préfère passer par ici, moi. J'en ai la possibilité, alors j'en profite. Voilà, vous l'avez vu passer. Gaffe, souvent il y a le chien qui passe. Vous entendez une grosse machine sur le côté. Qui n'est pas du tout, mais du tout rassurante. Doucement. Et j'aime mettre ici. Je sais pas si le chien avancera assez pour venir me voir. Normalement, ça devrait être bon. On va attendre juste que lui vienne. Et comme vous avez pu le voir, en fait, quand il revient vers nous, il se tourne vers la gauche. Donc on va profiter de cet élément de surprise. Voilà, là, il se tourne vers la droite. On va donc se rapprocher de lui autant que faire se peut. Voilà, pépère. Fais gaffe, il y a des chiens quand même qui traînent. Voilà, on fait encore attention. Et normalement, le gars restant est juste en face de moi. Et je n'aurais pas besoin de chercher bien loin. Tu t'en es bien sorti, Blazkowicz. On se retrouve au bercail. Grace, terminé. Ok. Petite sauvegarde au cas où ça plante. Ici, on n'oublie pas de récupérer ceci, trésor, que voici. Sacrée machine, comme celle qu'on a à l'extérieur d'ailleurs. Voilà, trésor 13, Manhattan, quartier des ruines, Citadelle, pardon. Voilà, on repasse à l'intérieur du la trame, là. La rame, pardon, de métro. Et voilà, on récupère ceci. Nouveau jouet, il s'agit du petit bateau qui est juste là. C'est gagné. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à récupérer la carte funeste. On aura terminé le niveau. Du moins, normalement, on aura récupéré tout ce qui restait dans ce coin-là.
Atout, arme, bonus. C'est dans les bonus qu'il faut que j'aille. Dans mes souvenirs, il n'y a pas plus de documents par ici. Voilà, Manhattan. Il en reste plus qu'un. Et il est dans la dernière zone qu'on va visiter. Pareil pour le reste. Hein. Je vérifie quand même au cas où, mais normalement, on est bon. Voilà, Manhattan, on a récupéré toutes les cartes. C'est bon, trésor. Il en reste un Manhattan, mais on sait où il est. Et jouer de max à Manhattan, il en reste un pareil. Donc c'est dans la dernière mission d'Uber Commandant qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Alors on laisse là-haut les autres. On a besoin de tuer tout le monde, donc inutile de s'embêter avec ça. C'est plus du temps perdu qu'autre chose. Hop là, alors, Raymond Hoffman. Mission accomplie avec lui. On peut retourner au marteau. William, j'aurais aimé qu'on passe plus de temps ensemble, mais on est si proche de la Nouvelle-Orléans. J'espère qu'il est pas trop tard. Ouais, je sais, tu nous as déjà dit tout ça. Alors, je sais plus dans quel ordre on les a tués, les deux Gus, mais bon. Voyons voir. Heinrich Müller, rang Uber Commandant, âge 41, année de service 21, taille 1m89, poids 91 kg, groupe sanguin O, épouse Frieda, décédée, enfant 3. Féminin, j'imagine. Réussite notable, récompensé pour son héroïsme lors de la bataille du Chengdu 1947, a mené le raid d'Idaho Falls, 31 terroristes tués, 12 capturés, a dirigé le camp de la vallée de la mort de la façon exceptionnelle pendant 3 ans, utilisé la machine Enigma pour déchiffrer où se trouve l'Uber Commando. Bon, ça on le savait. De toute façon, on l'a tué, donc forcément on le sait. Uber Commandant H46, Raymond Hoffman. Année de service 22, taille 1m85, poids 86 kg, groupe sanguin A-, épouse Anna, enfant 2. Masculin, réussite notable, a mené l'assaut de la colline de Diffa, 1946, à la tête du premier bataillon lors du débarquement de la côte de Floride, a obtenu des documents terroristes clés lors de l'opération Blackwood, 1957, utilisé la machine Enigma, on connaît le principe. Et là nous avons Léopold Meissner, rang Uber commandante, âgé 34 ans, année de service 16, taille 1m81, poids 75 kg, groupe sanguin 1-, épouse Magda et enfant aucun. Et réussite notable a mis fin au siège du groupe Creek, 1955, 19 terroristes américains tués, 28 capturés, responsables de l'interrogatoire subséquent, ayant mené au démantèlement de 3 cellules terroristes supplémentaires, 38 terroristes. Voilà, et enfin je crois qu'il y en avait un dernier, non? Ou là je les ai tous faits. Je sais plus, j'ai un doute, j'ai eu une petite absence pendant 2 secondes. Bref, très inquiétant. On n'a pas besoin de récupérer grand chose, je pense. Puisqu'on n'a tué personne, mais au cas où, on va quand même revoir si on peut faire le plein, si jamais il y a besoin. Mais apparemment, ce n'est pas le cas, et ça c'est bon. Ah bah si, voilà. Ça, c'est fait. Du coup, on va pouvoir passer à la vidéo suivante. L'Uber Commandant est le dernier d'ailleurs de la zone de Manhattan. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous et en particulier à Cerber pour m'avoir offert le jeu. Merci beaucoup. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos de camarades filmeurs sur frappstéjeux.fr ou sur mon blog etis103.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut!